allez, nous allons voir de l'eau vraiment. C'est juste en haut, c'est assez haut. Oui, c'est bon. Ça, c'est la hauteur du mur à votre gauche. On doit descendre en cône, là, voilà, les escaliers, tout ça. De l'autre côté, il y a de l'eau, là. Ouais. Ça, ce sont les bois tropicaux, mais on ne fait pas de meubles vraiment, hein. Chez vous, vous faites avec les manguiers, mais ici, on travaille pas le bois des manguiers. Voilà, un petit peu derrière, mais tout à l'heure, on verra. Les entrées, le bois d'ébène, apparemment, c'est interdit maintenant. Ils sont servis pour faire les meubles. Il y en a des animaux sauvages, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on peut avoir des cerfs, des singes, voilà. Le réservoir d'eau potable. Oui, bien rempli. Vous s'arrêtez là? Oui, t'arrêtez. Bien rempli. On peut s'arrêter, on va rester oui, juste. Assez rempli, oui, bien, bien ouais. Rempli. Ouais. Même 100%, ce qu'on est beau. Ouais. C'est bon? Avec Julie. Ce sont les gens vous passés. Le film est arrivé derrière. C'est bon? Qu'est-ce qu'on fait? On part. On continue? Ouais. Oui, oui. Quand le téléphone. C'est que de l'eau, bon, c'est partout pareil. Tu vas comprendre, il n'allait pas pour moi. Les jeunes, c'est différent. Hein. Pas de bateau, pas de baignade, non, rien. Les pêcheurs pas. Viennent. Parfois. Oui, il y a des petits poissons, on appelle des tilapia ici. Les pêcheurs viennent parfois. De douce. Les arbres que vous voyez en éventail, on appelle l'arbre du voyageur. Flora vénale. C'est la forme de l'aéroport aussi. Regardez, c'est là. Regardez, c'est là. Faut que tu montes là, j'en ai pas, tu vois. Ouais. Ralentis, faut que tu vois. C'est bon. Si tu peux t'arrêter derrière, tant mieux, parce qu'on est que deux. Juste pour qu'ils voient la forme. On va voir d'autres tout à l'heure. Oui, c'est pas grave. Mais l'arbre des voyageurs, c'est quoi? C'est l'arbre en forme d'éventail. Ah, ok. La pluie tombe, ça garde de l'eau. Ah, c'est une façon pour que les animaux, même si demain, tu peux boire de l'eau apparemment. C'est l'arbre du voyageur, parce que ça garde. Oui, c'est ça. Parce que les voyageurs s'arrêtaient pour s'abreuver. Parfois, on appelle ça ravenal aussi. Ravenal. Et la forme de notre aéroport est comme ça. Pour toutes les. Comment tu dis ça? Pas les le terminal. Le terminal est en forme de ravenal. Ah, ok, ok. Ok? Oui. S'il y en a de bananiers, est-ce qu'il y en a de bananes? Oui, il y en a des bananes. Peut-être plus pas ici, pas ici. De l'autre côté. Là, c'est boisé même. Là. Mais ça, c'est boisé artificiel. C'est les hommes qui ont planté ou ça pousse? Non, non, c'était déjà là. On a planté ça. On replante. Oui, après, oui, ça c'est planté. Vu que je vois que c'est tout en ligne. Mais je sais qu'il y a par là aussi, il y a des éoliennes à gauche, quelque part. C'est un wellness park, supposément, tu peux marcher. C'est plein d'humidité dessus. Oui. Aussi. Ah, maintenant tu as compris. Oui, maintenant tu as compris que je cherchais à t'appeler. Oui, c'est ça, et je faisais des signes pour te dire des trucs qui pour expliquer le réservoir, l'homme du voyage.
pas grave, il peut regarder après sur YouTube. Après, vous allez mettre ça. Mais peut-être on va mettre sur YouTube, il peut regarder. Oui. Il y en a un champ ici avec. Ça, c'est les concombres. Non, les chouchous. Chouchous, là. Chouchous, c'est quoi les chouchous? C'est chouchous, comme des formes de poire, il y a des piquants avec, c'est vert pâle. Et puis c'est des légumes qu'on fait. On avait fait du gratin de chouchous l'autre fois. Ah, ok. C'est de la famille de. C'est une genre de courge, c'est non? C'est pas la calabasse, mais allons dire que ça se ressemble un petit peu léger. C'est une genre de courge quand même, Nathalie. Ouais. C'est une plante filante. Hein. On mange les feuilles comme on peut manger aussi le fruit, c'est-à-dire la légume. Ça peut être un c'est gris par ici. Hein. C'est gris vert. Un petit peu de pluie. Si jamais vous avez la pluie derrière, vous faites ça. C'est quoi? Ça, ce sont des fatak. Avec les tiges, on fait des balais. Ah! Des balais qu'on... Il y a un balai. Il y a un ravinal encore là derrière. Ouais. Les fougères aussi. Ça, c'est l'arbre de voyageur? Oui, ça oui. Voilà. Voilà. Je veux apprendre la botanique ici. Ouais. Mais c'est toujours comme ça, hein. Été comme hiver, il n'y a pas de feuilles qui tombent, il n'y a rien. C'est ça le tropical, tropique. Tout reste pareil. Ouais, ici c'est pour deux feuilles. Vous sentez, c'est plus frais. Regardez à gauche, voilà les pavillons des hindous, là. Ils montent la route pour aller vers le lac sacré. Narashima, oui, c'est ouais. Pas quoi. Bah, ça va. J'ai vu un gros arbre de voyageurs pour les voyageurs plus grands. Ouais. Pour les voyages organisés, ça va. Oui. Là, vous avez un chassé. Bon, ils ont fait une salle de salle pour faire des mariages, parce que c'est tranquille, okay. Ça dérange personne. Et puis aussi, pendant la période de la chasse, il y a des chasseurs qui viennent et qui vont chasser dans le Il y a beaucoup de chassés dans les hauts comme ça. Il y a des poires, c'est privé. Essentiellement. Les cerfs. Il y a un quota de cerfs à tuer, pas plus. La chasse commence de juin pour terminer vers décembre, novembre et décembre. Pareil comme ça, comme canne à sucre. Il y a de sucre vierge en juin, fermé en décembre, début décembre. Voilà, on rentre dans la parc nationale de Gorge de la Roche. Il y a beaucoup de petites arbres sur le bas, c'est des plantes de goyaves de Chine, on appelle ça. C'est des petites goyaves. D'ailleurs, on s'arrêtera si le temps le permet, on va voir. Voilà. J'ai vu qu'on va être dans le pétrin. Voilà. Ouais, le pétrin, voilà. C'est là, voilà. Bon, moi, pour un boulanger, ça va, mais. Ouais. Tu vas pour aller du thé, il faut aller tourner à gauche. Hein. Pétrin pour faire. Il y a des randonnées, donc on part d'ici et on descend à pied jusque dans les gorges. Là, on va vers le lac sacré. Là. Vers le lac sacré. Voyez, regardez, les statues. Voilà. Elle est géante. Mais vous n'avez jamais trouvé ça dans la tête construire. À part dans la télévision, mais. Et tous les gens, début d'année, comme toutes les races, toutes les cultures, renouvellent leur dévotion vis-à-vis de la nature. Oui. Donc vous aurez comme je vous ai dit, il y a 14 types d'hindous. Alors les 14 types d'hindous renouvellent chaque année. Donc ça, ce sont les hindous. Il y a les Madras, il y a les Telugu, il y a les Marathis, il y a les Tumundu, il y a plusieurs types. Chacun vénère son dieu. Oui, mais
leurs yeux, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont dans la bouche. Ils ne peuvent pas parler. C'est un Dieu qui est vraiment mort. Mort. Il est tout à fait mort. Zigzag. C'est ça. Mais on est des vrais touristes. C'est ça. On prend notre temps. Ganga Talao, le district de Savanne. Et il y en a beaucoup c'est une sorte de monstre qui est non, pas monstre, c'est une statue qui a une tridée de à sa main gauche et une quelque chose à sa main droite. Et on va s'approcher pour voir, pour le croire. Et à gauche, il y en a une autre forme avec plusieurs bras. À gauche, mais... Et regarde Solomon James, c'est un lion tigre guépard. Mélange. Un mélange de fauves sauvages. On s'arrête par ici ou... Oui, on peut s'arrêter pour faire des photos, faire une ou deux photos. Vous montre ça, c'est juste pas pour glorifier quelque chose, c'est juste, juste que pour vous l'information, pouvez dans quel, pour vous que ça dans quel Maurice, ça paraît joli pays, mais il y a beaucoup d'esprit de l'ennemi qui gère quand même. Parce que 55% de la population, 65. Non, un peu plus. 65, non, 65% à peu près. Oui, qui sont, 4, allons dire 70%, ce sont des hindous. Oui, 5% oui. Chinois, 5% musulmans, 5% créoles, disons 10% créoles et les blancs là. On s'arrête ou pas? Ouais. Vous voulez retirer, sortir? Mais c'est à vous de décider. Moi, ah, je vais s'arrêter juste pour. Attention, Julie ne peut pas expliquer les autres. Ouais. Il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il faut savoir. Mais il y a les touristes qui viennent faire les rites religieux ici, hein? Il y a certains qui viennent se marier ici. On va continuer, on regarde là. Florian? Oui. Il y a des touristes quand ils viennent ici, ils peuvent former les rites ensemble, parce qu'il y a des temples aussi là, ça continue, il y a des temples, il y a plusieurs vingtaines de temples. Alors ils passent dans les temples, ils donnent des sacrifices, ils font les rites. Il y a d'autres qui viennent se renouveler pour le mariage aussi. Ils profitent du bon monde, c'est le même Dieu. Okay. Nous on sait, mais... Ouais. Voilà. On a plein d'explications à expliquer. Le sapin. Les arbres mauriciens, les arbres tropicaux, les pins là qui sont toutes nues à cause du cyclone, les sapins que nous avons un peu, les cédars. Bon, c'est un début de arbre du voyageur, regardez au bas. Ok, ok, ok. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a des gens qui les espèrent ? Non, oui, c'est sacré, mais pas. On ne va pas toucher.